À Bamako, il y a des moments où on suffoque presque parce que l'air est très pollué, parce qu'il y a du carburant de mauvaise qualité qui est utilisé. Les carburants qui arrivent au Mali, comme l'a démontré la campagne Dirty Diesel, le taux de soufre était très élevé. Ces carburants-là, on peut les qualifier de tueurs invisibles. From 2013 to 2016, Public Eye researched the practices of Swiss oil traders in West Africa. We sampled and analyzed fuels sold by Swiss traders at petrol stations in the region. And we also tracked their oil tankers to reveal their dirty business model. Wir haben mit unserer Recherche zeigen können, dass Schweizer Rohstoffhändler wie Trafigura, Vitol und andere in Afrika Treibstoffe verkaufen, die einen sehr hohen Anteil an Schwefel und anderen gesundheitlich schädlichen Substanzen enthalten, dass sie diese Treibstoffe herstellen, bewusst für den afrikanischen Markt. Und so die dort geltenden schwachen Standards ausnutzen. They even dared call those fuels African quality fuels. Pour nous, c'est aberrant de parler disons, d'un carburant ou une qualité africaine de carburant. Ça, c'est pas normal. Mais avec le projet Dirty Diesel, c'était une opportunité de mettre ce problème sur la place publique et d'en discuter avec toutes les parties prenantes. Quand on a été mis en contact avec Public Eye, on s'est dit, mais tiens, ça nous interpelle et nous, on est prêts à faire ce travail-là parce que c'est pour le bien-être des populations maliennes. We revealed that scandal in our 2016 Dirty Diesel report, which pointed at the responsibilities of Swiss commodity trading companies. Unsere Partner haben die Ergebnisse unserer Recherche in ihren Ländern für die politische Arbeit gebraucht. Sie haben Druck gemacht auf ihre Regierungen, dass diese Standards bearbeitet werden und haben so einen Beitrag geleistet, um das Problem zu lösen. We even sent a container full of polluted air back to Trafigura's headquarters, one of the main Swiss commodity trading companies involved in this harmful business. The massive regional and international press coverage put a lot of pressure on companies and finally made governments act to end such harmful practices. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat in den letzten Jahren neue Standards erlassen. Der Schwefelgehalt in importierten Diesel und Benzin wird auf 50 Parts per Million gesenkt. Das ist teilweise eine Senkung um mehrere 100%. Bei diesem Wert funktionieren Technologien wie Partikelfilter und dadurch wird die Feinstaubbelastung aus dem Verkehr massiv reduziert. This new standard took effect in 2021, and it will benefit over 175 million people in the region who will finally see the air quality improve. Du fait que du carburant contenant moins de soufre va arriver sur notre territoire, c'est évident que cela va avoir des impacts positifs sur la santé des populations. Pour faire ce type de plaidoyer ou porter ce type de plaidoyer, la collaboration entre les organisations du Nord et celle du Sud est essentielle. Et je crois que le résultat que nous avons obtenu est dû à cette bonne collaboration entre une organisation comme Public Eye et le groupe de recherche et de plaidoyer sur les industries extractives en Côte d'Ivoire et d'autres organisations aussi africaines qui ont collaboré. The Dirty Diesel campaign required over 3 years of independent and dedicated research, which was only possible due to the invaluable support of our members and donors. We would like to take this opportunity to say to all of you, thank you very much.